Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est à Lille, voilà. Vous avez vu dans le titre, de toute façon, pour le match entre le LOSC et le PSG. Ah, j'avais hâte, jusqu'à ce matin où il y a eu plein de dingueries concernant le LOSC avec cette sortie, par exemple, en boîte hier soir de Mohamed Bayo qui est écarté du groupe. Ensuite, le snap derrière de Cabella qui est à moitié triste, etc. Plein de choses. Plein de dingueries, même Blas qui n'est même pas sûr de venir puisque Rennes est entré dans la danse. C'est un coup à se prendre une manita ce soir. Ça me ferait bien chier, mais bon, en tout cas, on va espérer bien évidemment un grand match du côté du LOSC ce soir, une grande ambiance aussi. Bref, traite de blabla, je vous emmène avec moi pour le match. Let's go! Déjà arrivé au stade, il est 18h15. J'avoue, je suis tellement stressé que voilà, pour redescendre un petit peu. Faut être au cœur de là où ça va se passer ce soir et voilà, je vous emmène avec moi. C'est parti. On voit déjà des petits supporters parisiens, peut-être des ultras qui sont déjà là et voilà, ça va faire du bruit du côté parisien bien évidemment, mais du côté lillois, il y a plein de monde devant moi. Ah, il y a déjà du monde comme je vous l'ai dit. Et oui. Bon, nouvelle acquisition et vraiment ce maillot là d'entraînement, il est énervé sa mère. Je le trouve même plus beau que celui d'extérieur. Et on va dire que aussi le prix le rend plus beau. Let's go, 35 balles. Franchement, il est frais. Hein. Pour ce LOSC PSG, on a les DVE qui sont de l'autre côté de la barrière, qui vont accueillir les joueurs comme il se doit. L'arrivée des joueurs. Bon allez, direction les tribunes, parce que c'est une galère avec la sécu et tout, mettre 50 ans, donc voilà, avant le début du match, on a bien 30 minutes d'avance, mais il faut prendre ses précautions. Bon, finalement ça a plus vite que prévu et tant mieux. Allez, on est rentré, c'est parti, découvrons là où on va être installé, bon, comme la dernière fois en fait, tout simplement. Allez, santé. On sera par là pour regarder le match très tranquille. Bon, on regardera le match d'ici. Et ça fait extrêmement plaisir. On a les DVE là-bas. On a les supporters parisiens juste ici. Et il y a Messi titulaire. Ça veut dire qu'on remplit un objectif. 50% d'un objectif cette saison. C'est tout au fond là-bas, là. Le bon vieux Messi. Vous voyez. Quand c'est à l'extérieur, le PSG c'est vraiment très fort. Bon, objectif de ce match, vraiment déjà prendre du plaisir pour voir le LOSC jouer, parce que ça fait du bien de revoir du football à Lille. On n'attend pas forcément une victoire, parce que le PSG a aligné les types Neymar, Messi et Mbappé, ça va être assez compliqué, mais en vrai le football du côté du LOSC, ça va être très intéressant et c'est ce qu'on veut voir. De toute façon, on supportera quand il arrive l'équipe dans la victoire comme dans la défaite, et c'est ça le plus important. L'équipe qu'on va affronter ce soir fait très peur. Vitinha, ça joue au foot, les autres à l'aide, de zinzin là devant, putain, je me chie dessus là. Ismaili. Pour finir une journée de Ligue 1 à plus petit carton rouge, ça fait mal, ça fait très mal. Et les tifos, bientôt être faits. Bien sûr.
Bien sûr qu'on y est. Monsieur Finkielkraut ? Je vais répondre. Tout de suite, là ? Ah bah ça oui. A commencé ? Ben bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé ? Bah on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, vous, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas mais que l'émission avait commencé. Oh là 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 ! On va se faire froisser à chaque fois, non ? Voilà ! C'est bien joué. C'est pas grave, si on s'en prend 8, frère, tant qu'on joue notre football, c'est important. Voilà, allez, 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 allez ! Allez, 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 allez. On tente un truc. Boum, boum. Oh, là, 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 là. Allez. Oh, allez, allez. Non. Oh, là, 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 la passe de Messi. Oh, là, là, bien joué. Putain, qu'est-ce qu'il est fort, ce fou. Incroyable. Autant, je suis pas du tout team Messi, mais alors, vraiment, le voir en vrai, tu comprends à quel point c'est... C'est l'un des deux meilleurs joueurs de l'histoire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, frère. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Non, c'est trop. Mbappé, il a failli mettre un but. Jardim, c'est vraiment une chèvre, cet enculé. Trois sorties au Bahamas. Mettez Lucas Chevalier, je sais pas ce que vous attendez, les frères. Vraiment. C'est trop, à chaque fois, le centre. Franchement, et il est trop nul. Il est trop nul, Jardim. Oh, il a pas arrêté un ballon. Je suis abattu, putain. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et on va se prendre une branlée, en fait. Hein. C'est terrible. Allez, mon rang. Ah, lâche ta balle, frère. Allez. Allez, s'il te plaît. Oh, oh là 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 là, il avait fait un enchaînement incroyable. Allez. Allez, 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 boum. Oh non. Aïe, 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 on n'a rien fait, rien. Ah, il est trop... Il est nul, frère. Il pue sa mère. C'est trop grave. 38 minutes, 3 tirs cadrés, 3 buts. Wesh. Il a pas fait un arrêt. 4-0 à la pause. 4-0 à la pause. Et comme ça suffisait pas, ça se tape sur la gueule. Bon, la mi-temps. Et c'est clairement un cauchemar. Mais en vrai, j'en veux même pas à l'équipe du LOS parce que ça joue bien. J'en veux juste au gardien. Même quand les tirs sont en jeu ou autre, il est à la ramasse le but. Genre, comment tu peux faire quelque chose avec ça? C'est pas possible. Mettez Lucas Chevalier. Même s'il s'en prend 8, c'est pas grave. On a juste besoin d'un mec qui sache qu'il soit bon. Bien joué ça. Oh. Allez, allez. Taktim Pembe solide. Hein. Oh, la perte de balle, elle est monumentale. Oh là 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 là. Et s'il vous plaît, un but. Un but, ça c'est bien joué. Sans. Ah non. Ça fait plaisir au moins d'avoir marqué un but. Il y a personne au milieu, frère. Incroyable, un arrêt, let's go. Putain, 56e, enculé. Oh. Wow. Incroyable, ça y est, c'est peut-être enfin réveillé, il s'est dit j'ai ma place en jeu. Putain, oh, le jeu c'est tellement abusé, tellement au-dessus de la Ligue 1. Et ils vont marcher sur la Ligue 1 pendant je sais pas combien de temps.
Oh là là. Sanchez qui rentre en jeu. Bien joué, bien sûr, on t'applaudit, mon grand. Pour les services que t'as rendus, mon grand. Ah, regarde pas l'arbitre, mon grand. Ça se regarde dans les yeux, frère. Allez, allez, allez. C'est bien joué. Oh non, mais t'abuses, tu crois, frère. C'est franchement très très belle ambiance, hein. Même du côté du LOSC, ça fait plaisir. Allez, 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 allez. Passif. Yama, Yama, Yama. Ta grand-mère, Turfin. C'est trop, frère. Yama, juste avant. Bah ouais, on va se prendre un septième. Bah c'est super. Bien joué. Voilà. Ah ouais, carrément, même pas de temps additionnel, rien du tout. Ah, la pilule, hein. La pilule 7-1. Putain. Ah, Renato, le roi. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bon, quitte à se faire niquer, autant le faire jusqu'au bout. Et je vous fais le débrief après. Allez. Pour nous consoler, ils ont mis le Havre Saint-Étienne. Les frères, incroyable. Bon, voilà les gars, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, honnêtement. Bon, forcément, tu retires le 7-1 parce que voilà, tu peux rien faire face à ce PSG-là. Tu peux rien faire face à ce PSG-là. Il est beaucoup trop fort et je pense que, de toute façon, toutes les équipes que le PSG va affronter, ils vont soit mettre le bus et se prendre que 4-0, soit jouer comme nous et se prendre au moins 8 buts. Vraiment, c'est trop efficace, c'est trop fort. Premier arrêt de Jardim à la 56e, messieurs dames. Vraiment, c'est tout pour moi, mais c'est effrayant. Vraiment, il s'est pris 5 buts avant d'arrêter sa première frappe. Bon, voilà, en ce qui concerne la défense, bon, je ne vais pas cracher sur la défense parce que sur les 4 titulaires ce soir, il y en avait 3 qui n'étaient pas là en juin, qui sont arrivés en club. Donc voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Et puis, comme je vous l'ai dit, vraiment le PSG, c'était trop fort. Donc voilà. En tout cas, moi, pour ce qu'il en est, je reviendrai au LOSC, bien évidemment, pour le derby face à Lens en octobre, bien sûr. Et pour le PSG, je viendrai pour le Classico. Voilà, entre le PSG et Marseille, ça va être très très intéressant aussi. Et voilà, s'il y a 7-0 pour le PSG, je pourrais me régaler parce que c'est pas le LOSC qui jouera en face du PSG. Il restera plus qu'un match face au PSG jusqu'à la fin de saison. Oui, let's go. Allez, moi je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog. On part en Belgique pour le prochain. Des bisous, ciao la mix.